Eh bien, salut tout le monde, c'est Blun, on se retrouve pour Homefront The Revolution. Et donc j'ai fait les 100%, hein, qui étaient assez chiants dans cette zone. Voilà, là tout est bon, on peut lancer et arriver à la suite, bien sûr. C'est comme ça qu'on fait! Ah oui! T'as le soutien des détenus, Brady. Tu leur as montré comment résister. Diffuse ton message. Les détenus s'occupent du reste. Parfait! Que la révolution commence! Mickey est détenu au commissariat. Tu dois y aller et le sortir de là si on veut pénétrer dans la mairie. Ok. C'est parti alors. Alors, on doit aller là. Oui. C'est pas le plus proche, mais bon. Dans la zone. C'est là que Mickey est détenu. Il va falloir entrer pour le libérer. Ouh, ça va être chaud tout ça. Courez! Va chier! C'est par là-bas et c'est en haut. Alors par là on peut pas, sauf que c'est par là-bas. Ah. Oh putain. Ouh, ça picote tellement. Pitié, ça suffit. Je vous ai dit tout ce que je savais. Ramenez-moi dans ma cellule. Hé, qu'est-ce qui se passe? Tu fais pas partie de la PCI, merci de m'avoir sorti d'ici. C'est Small qui a dû t'envoyer. Je vais lui rendre une petite visite. Tout a un prix par ici. Merci encore. Bon allez, c'est Parrish. Dana et moi, on vient d'arriver à la bourse. J'ai rencontré tes nouveaux amis, je les sens pas trop. Mais Dana garantit qu'ils sont ok. Ramène ton cul ici et on passera à l'action.
la sortie. Ah là. Ok, donc là il me reste 2 points à faire. Il faut que j'aille ici. On a signé pour affronter les Norcos. On devrait déjà y être. Prison, qu'est-ce que tu crois? T'as déjà oublié qui prenait les décisions en étant gentil là-dedans? C'est cool de te revoir parmi nous, Mickey. Ouais, ok, c'est quoi le plaisir de voir? On va utiliser les tunnels que Mickey nous a montrés pour approcher de la mairie. Nous-mêmes si on avait su où t'étais. Small, toi et ton équipe allez grimper sur le toit, éliminer la sécurité Norco et ouvrir le passage jusqu'à Simpson. Compte sur nous, Parrish. Ça fait trop longtemps qu'on attend une telle occasion. Parrish et moi, on va s'introduire dans la salle de sécurité et verrouiller le bâtiment. Ça devrait nous laisser assez de temps pour nous occuper de Simpson et ressortir vivant. Il ne reste plus que toi, Bradley. Tu vas infiltrer le bâtiment qui fait face à la mairie. Une fois à l'intérieur, tu devras allumer manuellement l'antenne principale. On pourra alors diffuser notre conversation bon, avec Simpson. On peut aller botter du cul de Norco maintenant. Du calme, Small. Écoute, on est tous dans le même bateau. Si on échoue, la résistance est morte. Mais on n'échouera pas. Personne ici laissera un truc pareil arriver. Dès que t'es prêt, Bradley, on décolle. Assure-toi juste d'avoir tout ce qu'il faut. Oh putain, j'ai trop hâte de foutre une branlée au Norco. Donc on va pas le faire parce que ça va enclencher la suite, je dirais la fin quoi. Et on va faire complètement autre chose. Attends simplement ton signal et on y va. On va se préparer. On va améliorer le lance-roquette. Voilà. C'est le moment, Brady. J'espère que t'es prêt. Ok, 4000 le prochain. Oui. Ingrédients. On va prendre tout. C'est le moment, Brady. J'espère que t'es prêt. Putain, j'ai trop hâte de foutre une branlée au Norco. Calmez-vous. Je sais plus où j'en suis, moi. Alors. On va acheter ça. J'attends simplement ton signal et on y va. Voilà. Donc du coup, enfin je pense hein, honnêtement qu'on doit se rapprocher de la fin parce que pour me dire j'attends ton signal, vous voyez, je pense qu'il vaut mieux qu'on termine cette zone-là du coup. Donc je vais aller là. Tant pis, on va faire de la secondaire en vidéo. C'est le moment, Brady. Mais je préfère être sûr. Je suis pas sûr. Faire. Parce que je veux clean tout avant. Hein? Alors. Non. Oui. Dans ce bâtiment que les Norcos ont trouvé leur caisse d'isolement avant d'y mettre les pionniers. J'ai entendu des histoires terribles sur cette histoire. Je rendrai un grand service à tout le monde en allant dans les pionniers. Pas aujourd'hui. Ok. Je bouge plus là. Oh là là, il y a du gros qui arrive. Ou qui est au-dessus, je sais pas, je préfère être sûr. C'est au-dessus. Oh non! Bon, eh bien on la retente. Je pensais être de l'autre côté, enfin je pensais être derrière à esquiver les balles, mais pas du tout. Ça va être chaud, hein. Ça picote. En même temps c'est normal, vous me direz.
c'est les derniers. C'est que je peux me barrer, moi. On y est. Prenez-la. Ah. Voilà. Ah, c'est chaud. C'est terriblement chaud. Genre le mec le mec qui se tépit. Alors il s'est fait. Bon là ça va mieux. Je sais pas pour combien de temps mais ça va mieux. Ok, donc il faudra que j'aille là. Alors, les objectifs sont au-dessus, mais je veux voir si je peux voir ça. Ah, toi t'es mort. Alors. Aussi. Voilà. Donc maintenant, il faut que je détruise les espaces de stockage qui a priori c'est au-dessus. Je vous ai dit de dégager. Le mec il s'est téléporté encore. C'est n'importe quoi. Oh moi. Donc il y en a un plus haut. Il y en a un là.
c'est plus bas. Plus bas, Blood. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Oh, oh. Avec la destruction des cases d'isolement, l'APC devrait arrêter de torturer les gens. Bon boulot, Ethan. Alors, on va vendre. Tac. Voilà, c'est bon. Alors, par contre, on va racheter des trucs de soins. Donc, on restera déterminé. Ingrédients. J'ai doucement que j'en ai pour l'autre mission aussi. Elle est où? Il faut aller. Il faut aller où? Il faut aller là maintenant. Vous vous rendez compte? Alors. Hein? C'est parti. Allons à la suite. J'ai chaud quoi. Des chances qu'on ne survive pas, hein. Bien sûr, le temps que je voie comment c'est fait. Ok, c'est loin. Faut aller là-dedans. Faut prendre ça. Cette tour drone contrôle toute la technologie de l'APC dans la zone interdite. Si on arrive à la reprendre, on réduira de manière significative l'efficacité de leur sentinelle automatisée. Trop content. Je le tente. Oh mon dieu. Comment on monte? L'état d'urgence a été déclaré dans ce quartier. Aïe. On va monter par là en tout cas, moi je croyais. C'est vrai qu'on doit passer par là. Je sais pas trop. Où est arrivé? C'était pas moi. Non, c'est pas possible, faut forcément passer. Oh, c'est tendu. Oh, mais vous êtes malade. Et comment je fais maintenant pour monter? Oh. Oh, c'est pas moi. Ok, donc c'est pas là. Oh putain!
Ça doit être par là. Putain de sa mère. Tout va bien. C'est bon. Ah bah c'était bon hein. Pfff. Maintenant que la tour drone est neutralisée, le problème des unités automatisées de la PC devrait être plus simple à gérer. Bon boulot. Je savais pas qu'on pouvait s'isoler comme ça. C'est des barres. Alors, on va TP pour pas perdre de temps. Enfin, si j'arrive à avoir le... Voilà. Et on va dire qu'on est prêt. Ouais, ça vous fait un peu de secondaire, vous en avez pas eu. Donc, c'est pas plus mal, en fait. Pour changer un peu. Enfin, on va dire qu'on est prêt. Non, il faut d'abord que... Je prenne deux kits de soins, je crois. Hop, hop, et voilà. C'est bon, je suis prêt, chef. Ah bah je m'en doutais. Donc on va continuer, oui. J'ai bien fait. Ok, rassemblez tous vos affaires, c'est le moment. Ouais. On va botter le cul de ces putains d'orcos. Ethan, on y est. Barry chez moi, on va vers la salle de sécurité. Small et son équipe sont en position. Monte sur le toit et trouve l'antenne télé. On doit s'occuper de ce signal avant de rejoindre Simpson. Bon voilà. On s'y met tout de suite, ok? Oh ouais. Pas de soucis, hein. Du coup, elle ressemble à quoi la map? Ah, ok, à ça. Assurez que vous arriviez sur le toit de la station télé en un seul morceau. Vous trouverez du matos dans notre camionnette si besoin. Ah. Ah bah j'ai pas besoin en fait. Si, t'es gratuit. Faites marcher cet ascenseur, on n'a pas toute la journée. J'y suis presque. Encore un petit moment. Ça y est. Ok, je vais passer devant et trouver un moyen de vous faire monter sur le toit de la station télé. Allez les gars, le feu d'artifice peut commencer. C'est trop calme ici. J'ai envie de faire péter quelque chose. La ferme, Small. On peut rien faire tant que Brady n'a pas sécurisé l'antenne. Fais pas te foirer. Tu crois que l'équipe de Small sera là pour nous? Tu plaisantes. Ça démange Small de frapper la PC et Simpson depuis une éternité. Je me demande ce qui s'est passé entre ces deux-là. Mieux vaut ne pas savoir. Moi j'ai ma petite idée. Ils ont sûrement couché ensemble et ça s'est mal passé. Évidemment. Que voulez-vous que ça soit d'autre? Merde. Je parie que les Norcos se chient dessus en voyant le combat si proche de leur QG. Oh. Wow. Regarde ça. C'est une vraie zone de guerre en bas. Tirons-nous sur toi. Je sais presque les mires des snipers sur mon dos. Attention, faites gaffe aux snipers. On dirait qu'on a quelqu'un sur le dos. Quelqu'un a voulu s'en aller d'ici à un moment. Je me demande s'ils ont réussi. Personne ne passe à travers les mailles du filet de la PC. Je sais. Pas cette clôture. Quelqu'un a porté une pince? Là, c'est déjà fait, mec. C'est déjà fait. La mairie. La mairie, c'est calme et possible.
Ça va bientôt changer. Simpson croit nous gouverner d'ici. Ce connard réalise pas qu'il est tout. Il s'en rendra compte avant demain. Comment on va faire pour monter là-haut? Je vais vous aider. J'ai pu pirater les commandes de la nacelle des laveurs de vitres. Une petite seconde. Putain, elle est trop forte. Ravi, montez sur la nacelle pour rejoindre le toit de la station télé. Laissez-vous et pas de bruit. Faut pas qu'on traîne. J'aime pas être là-haut. On est exposé. C'est ça, Brady. C'est l'antenne télé principale. Trouve un moyen de la contrôler pour empêcher les Norcos d'interrompre notre diffusion. Ça fait beaucoup de soldats de la paix. Les Norcos ne négligent aucun détail. On peut vous couvrir d'ici, Brady. Essayez juste d'être discret. Ouais. Putain, j'arrivais pas à passer, quoi. Un jour, les gosses étudieront cette période à l'école. Voilà. Alors, soyons discrets. Oula. Oh oui. La discrétion, elle était pure, là. On va faire tout le tour. On va passer sur le fond à droite, je pense. C'est le moyen le plus évident. Quoique le middle est peut-être mieux. Le middle, c'est risqué quand même. Allez, je le tente. Sécurisé. Bon boulot, Brady. Bon, on passe à Simpson. On va activer un verrouillage pour empêcher les renforts de venir jusqu'à lui. Tu rejoins l'équipe de Small sur le toit et vous le sécurisez. Comme ça, Simpson ne pourra pas s'enfuir par les airs. Brady, on va lancer le verrouillage. Sécurise le toit. Simpson doit se chier dessus, mais il bouge pas. Poussez-vous! Si je peux pas descendre aussi. Ouais, moi je reste planqué, hein. Bien joué, Brady. Et toi aussi, Small. Oui, Brady. Attends, Simpson. Je vais marquer la porte sur ton téléphone. Ramène-toi. Merde. Le verrouillage a bloqué cette porte aussi. Dana, il faut que tu la déverrouilles. Brady, tu vois d'autres soldats qui viennent vers toi. Dana, mine-toi avec cette porte. Une minute, Brady. Je vais aussi vite que possible. Cette porte devrait bientôt s'ouvrir. Ils ont fait venir ces putains de soldats lourds. Abattez-moi ces soldats. Oh!
voir ce que je peux faire. Allez, allez, allez. Moi aussi. Ah, putain. Trouvez-moi ce sniper, le délicieux. Des enculés de sniper. Faites gaffe au sniper. Sérieux, ce que je l'ai pris là? Tonton, bordel, ça commence à être la merde là-haut! J'y suis presque, putain! Laisse-moi me concentrer! Attends encore un petit moment. J'en ai bientôt fini avec la sécurité. Ah, Brady, la frappe à l'ombre, je viens d'activer le village. Oh, avancez et tirez! Ça devrait le faire. Brady, on a ouvert la porte. On se retrouve au bureau de Simpson, je t'envoie son emplacement tout de suite. Small, tu gardes le toit. Il faudra une échappatoire quand on aura fini. Ouais, pas de problème. On pourrait faire ça toute la journée. Enfin, ceux qui sont encore en vie. Sniper! Vous avez entendu à couvert! Je comprends pas. Je fais quoi? Je vais où? Faut tout péter ou quoi? Le toit est sécurisé. Je crois qu'on les a tous eus. Putain, ce que j'ai pris! Ensuite, vous pourrez partir. Vous avez ma parole. Bon, allez, allume cette caméra. Ok. Je suis un caméraman, il faut que t'allumes cette caméra. Citoyen de Philadelphie, l'heure est venue de riposter, de prendre. Je peux pas lire ça. Lisez, sale petite larve! Et vous êtes dingue! Vous ne comprenez pas! Si vous lancez une révolution, ils décimeront tous les Américains de cette ville, résistants ou pas. C'est des conneries. Ah bon? Boston, Pittsburgh, depuis quand vous n'avez pas eu de leurs nouvelles? Vous croyez peut-être que je vais croire quelqu'un qui a trahi son propre peuple? Bordel de merde! Je n'ai trahi personne! Et les choses ne sont pas si simples. J'ai profité de ma position pour faire mon possible. Écoutez, des soldats arrivent en ce moment. Si vous baissez vos armes, je jure de faire tout ce que je peux pour qu'ils fassent preuve de clémence. Et... De clémence ? De clémence, putain ! Ma position... Vous y connaissez quoi en clémence, vous ? Dana. Je sais comment vous profitez de votre position. Vous et vos hommes, vous avez failli tuer Harry Vanstein. Non, écoutez-moi, c'est vous ne... Vous devez m'écouter. À l'époque, je pouvais pas me cacher. Dana. Et maintenant. Dana, on a besoin de lui. Vous non plus. Tu m'entends? Dana, non! Merde.
Allez. Bon, écoutez, je suis pas doué avec les mots, mais vous savez quoi? L'heure n'est pas aux mots, aux prières ou à l'espoir. L'heure est à l'action, maintenant. Je sais que vous avez peur. Walker n'est plus là, les Norco nous ont acculés. Et vous, vous attendez tous que quelqu'un vous dise quoi faire, vous montre comment on va se sortir de là. Eh bien, oubliez ça! Vous voulez vous en sortir? Faites-le vous-même, bordel! Prenez vos responsabilités. Vous voulez retrouver votre maison? Faites-le! Vous voulez retrouver votre vie? Faites-le! Prenez un flingue! Prenez une brique! Utilisez vos poings, serrez les dents! Révoltez-vous, putain! Car ça y est, le moment est venu! C'est notre dernière chance! Battez-vous à nos côtés! Battez-vous aux côtés de vos frères et sœurs! Battez-vous pour nous! Pour eux! Battez-vous, bordel! Si vous voulez sortir de cet enfer, il va falloir que vous vous battiez! On n'a plus le temps. On doit se casser d'ici. On y va. On se sépare et on se regroupe quand la voie est libre. C'est pas fini en fait. Ah oui, parce que cette zone là en effet, cette zone là. J'avais complètement oublié cette zone là. À la planque. Là-bas. Après tout ce temps, j'ai perdu le contrôle. En plein dans la gueule du loup. Tout le pays a reçu notre message. Mon message. Je ne pouvais pas l'épargner. Pas après ce qu'il m'a fait. Les gens déferlent dans la rue, putain, on y est, la révolution est enfin en marche. Je voulais juste leur montrer qu'on tenait bon. Je pensais pas qu'on y arriverait sans Walker. J'ai attendu 5 longues années. Mais ça y est, j'ai fini par avoir ce fils de pute. L'heure est à la célébration. Je vais te dire une chose, Dana. T'es sacrément tordu. Mais avec toi, le job est... Merci. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous faites la fête? Arrête un peu, Doc. T'as vu ce qui s'est passé? Ils sont en train de gazer la ville. Un dirigeable diffuse du gaz au moment où je parle. D'autres arrivent. Ils vont nous exterminer. Quoi, les Zeppelin? T'es sérieux? Le maire vous avait prévenu. Pourquoi vous avez pas attendu? Jack n'y est pour rien. Tu nous as tous condamnés. Pourquoi est-ce que je vous ai aidé? Je sais plus qui je suis. Hé, hey, Doc. On n'avait aucun moyen de savoir qu'ils allaient faire ça. Je peux aider à l'évacuation. Sauver des vies. C'est tout ce que je voulais. J'en ai fini avec vous. Sam, écoute. Sam! Merde. Il faut à tout prix les en empêcher. Bon, il faut agir vite. On doit abattre les dirigeables avant qu'ils gazent la ville. On a des missiles, alors c'est le moment de les utiliser. Ouais. On va sortir les lanceurs AA. Disposez-les pour couvrir toute la ville. La PC doit pas savoir qu'on les a. On abattra les dirigeables avant qu'ils puissent réagir. Je crois que c'est l'heure de se séparer, Jack. Ouais, on va prendre un lanceur chacun. Allez, viens, on y va. Ok. Alors nous on va s'arrêter là les loulous. Parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Donc je préfère faire une autre vidéo au cas où.
Donc voilà. Allez, bye bye.